The President, please be seated. The chamber is now back in session. L'audience est reprise. Before I hand the floor to the Councillor François Roux, the chamber would like to make an announcement of a decision as the following. Decision to amend the deadline for comments on the military file. For a variety of reasons, the full military court file has not yet been translated. The trial chamber has, however, satisfied itself that those parts not yet translated are not critical to its determination of the request for the release of the accused. The trial chamber is conscious that its decision on the request for release should be delivered by the 15th of June 2009. The trial chamber acknowledges that these difficulties over translation have resulted in an abbreviated period for the parties to comment on the military court file. However, in order to allow the trial chamber to issue its decision by 15th of June 2009, we ask the parties to make any comment on the military court file le dossier du tribunal militaire by 4 p.m. on Monday, the 1st of June, lundi 1er juin 2009. Now, I would like to give the floor to Council François Roux. J'invite maintenant Maître Roux. So that he can continue his questioning to the expert, Dr. Greg Edison. The floor is yours. Maître Roux, je vous en prie. Merci, Monsieur le Thank you, Président. Mr. President. Monsieur l'expert, Mr. je souhaite I continuer mon déroulement here, par thème de la lecture de votre rapport et de vos commentaires based on the reading of, your à l'audience. And on your comments, j'arrive, to the chamber. And I am now, je vous indique pour être clair que nous parlerons après de la question, évidemment, des purges. About the purges je suis pour l'instant, vous l'avez compris, moment, sur la politique générale, on the general sur les décisions de politique générale et sur les mises en œuvre de la politique générale. Of the of et je voulais parler maintenant like de la communication verticale. Vertical communication. Je ne m'étendrai pas and beaucoup, on en a beaucoup parlé. Je rappelle tout de même qu'au paragraphe 36 de votre rapport, vous aviez précisé le comité permanent contrôlait les réseaux de communication du régime du Kampuchea démocratique et toutes les communications étaient organisées selon une hiérarchie exclusivement verticale. C'est ce que vous avez écrit. Et vous, je suppose and que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est ce que vous avez confirmé lors de toutes ces audiences. During, the up until now. That's correct, counsel. Oui, c'est exact. Et
Vous avez également ajouté cette précision intéressante. Les communications de zone, là c'est au paragraphe 56. Les communications de zone étaient organisées verticalement comme la chaîne de commandement. Et quand elles étaient horizontales, c'était considéré comme une preuve de trahison. Et je ne rentre pas dans le détail, mais vous donnez un certain nombre d'exemples de zones qui, pour communiquer entre elles, devaient passer par le centre. Vous pouvez confirmer éventuellement. Commenter? Could you, do you have any comments to provide us with here? Yes, Council. I believe that this pattern of strictly enforced ce schéma a été appliqué vertical de façon stricte, communication, donc communication was the general rule, était la règle générale, except in instances sauf explicitly authorized cas particulier explicitement autorisé par l'échelon supérieur. Voilà, et Mr. donc so, vous avez précisé à l'audience du 21 mai en ce qui concerne notamment toutes les lettres de Soumet. Vous avez bien dit, donc l'accusé devait rendre compte au sommet de la hiérarchie du PCK, puis par le truchement de Sonsen, coopérer avec les divisions pour aider et procéder à ce qui devenait une purge de grande échelle au sein de l'appareil militaire. Et hier matin, à la reprise après l'audition toute la matinée de l'accusé sur les lettres avec Soumet, Monsieur Alex Bates vous a interrogé et vous avez répondu, selon mes notes, pas selon le transcript, mais selon mes notes, le fait que la communication entre chef de division et S21 devait passer dans une structure verticale, dites-vous, tel que le décrit l'accusé, ce schéma est totalement conforme, ça ce sont vos mots, ce schéma est totalement conforme à la façon dont j'ai compris le strict monopole du PCK au sein du parti, de l'organisation et de l'institution militaire. C'est donc la conclusion que vous avez apportée à la suite de notre audience du matin et de la discussion qui s'est instaurée sur les lettres, sur l'échange de lettres de Soumet AS21 en passant par Sonsen. Vous avez dit le schéma décrit par l'accusé est totalement conforme à la façon dont j'ai compris le strict monopole du PCK. Je ne me trompe pas. Is that so? Counsel, if I'm not mistaken, si I did not have trompe, the opportunity to say anything yesterday morning. Je n'ai pas eu la possibilité de dire quoi que ce soit hier matin. Désolé si l'interprétation n'a pas été de ce que j'ai dit à la reprise, c'est-à-dire en fait en début d'après-midi quand M. Alex Bates vous a interrogé. Yes, then that would be correct. Dans ce cas, oui, c'est exact.
Un autre élément que vous décrivez dans votre rapport et qui ressort aussi de discussions qui ont eu lieu avec vous dans cette enceinte, et c'est la politique de l'espionnage et de la délation. J'attire votre attention sur les paragraphes 105, 107, 112, 114 de votre rapport. Et je voudrais m'arrêter sur le paragraphe 80. Pardon, 89 d'abord. I'm sorry, 89. Pardon, 89. 89 first, yes. La dernière phrase. The last sentence. Les schlops. The schlop. Et vous avez défini cela précédemment comme des milices. Les schlops. The schlop. Espionnaient également les citoyens dans le but d'identifier les éventuels dissidents. À la tombée de la nuit, les soldats en patrouille et les espions, schlop, de Chenkal venaient dans le village pour se cacher sous les maisons et écouter ce que les membres de la famille se disaient. Vous ajoutez au paragraphe 45, le contrôle permanent des biographies. Et vous dites, les comités de zone recueillaient et examinaient régulièrement les biographies personnelles que chaque membre du parti était tenu de préparer, de mettre à jour et de soumettre au parti. On vous dit encore au paragraphe 83, les autorités de la commune étaient également chargées de compiler les biographies des habitants de leur zone et de remettre ces biographies au niveau du district pour examen en vue de rechercher les ennemis. Seriez-vous d'accord avec moi pour appeler cela un état policier au sens le plus vrai du terme? Monsieur Jessen. Yes, counsel. Oui, maître. Effectivement. Et j'ajouterai au sens le plus tragique du terme. Alors, ma question après ce survol est celle-ci. Vous êtes d'accord avec moi, je suppose, pour dire que toute cette politique dont nous parlons depuis une heure a été mise en place par les dirigeants du PCK très tôt. Vous avez dit avant même le 30 mars 1976, sans que Doic n'ait pris le moindre rôle dans la détermination de cette politique. Establishing or working out this policy. Monsieur Chesson. I'm not certain, counsel, that this can be said. Je ne suis pas certain, maître. There are que l'on peut dire periods cela. Of time between the beginning of the regime. On 17 April 1975 and the order to establish S-21 on 15 August 1975 when I cannot clearly account for the whereabouts
and activities of the accused person. So I do not know what functions he may have been performing during that time. Pendant cette période-là. Et par conséquent, entre ces deux dates, le 10 avril 75 et le 15 août, eh bien, on ne sait pas quelles ont été les tâches qu'il a bien pu accomplir pendant ce laps de temps. Alors, Mr. Who. Monsieur l'expert, so est-ce then, que Dr. Richardson, l'accusé a jamais été membre du comité permanent du PCK? Of CPK? I do not believe so, counsel. Je ne le crois pas, maître. Il me semblait avoir lu dans votre rapport que c'était le comité permanent qui décidait des politiques. Monsieur Chesson. Indeed it is. Effectivement, c'était le cas, maître. Je vous remercie. I thank you, says Mr. Wu. Alors, venons-en aux purges. I would like to move on to the issue of purges. Je crois pouvoir dire, I think I can confidently say, avec votre autorisation, but, que l'on pourrait distinguer, a distinction could be made, pour la clarté du raisonnement, for the sake of, thinking clearly, les purges générales that the qui échapperaient à tout contrôle de l'accusé would be beyond any kind of control by the accused, et les purges and dont vous avez parlé ce matin, et nous allons en discuter, que sa méthodologie aurait pu contribuer à rendre possible. Il me semble qu'il y a deux catégories. Je ne veux pas vous obliger à répondre tout de suite. Je vous expose le plan de mes questions pour vous mettre à l'aise. I'm just wanting to show you the overall pattern or plan of what I'm of my reasoning. Alors, moi, je lis dans votre rapport ce que j'appellerais les purges générales. Et vous dites au paragraphe 80, alors que les personnes accusées de ne pas respecter le plan dans les communes et brigades mobiles pouvaient être identifiés comme des suspects par les dirigeants de la commune, leurs exécutions se faisaient généralement au niveau du district. À d'autres occasions, les présidents de district ordonnait aux forces de sécurité des communes, les CHLOP, de procéder aux exécutions des traîtres suspectés. Les responsables de district ordonnaient également l'arrestation des cadres des communes et des coopératives accusées, par exemple, d'être des agents de liaison vietnamiens. Monsieur l'expert, à votre avis, est-ce que Duc, dans la position qui était la sienne à S21, a pris quelque part que ce soit aux purges que vous décrivez au paragraphe 80 de votre rapport? Monsieur Chesson. In terms of physical participation, en termes de participation physique, or in terms of directly ordering, d'instruction no, I do not, directe, at least insofar
proprement interprète, as we're concerned with our period of temporal jurisdiction. Concerné par cette période en termes de compétences. Merci. Mr. Roux, je poursuis en rappelant à ce stade votre paragraphe 63 dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la citation terrifiante du drapeau révolutionnaire, éliminé, encore et encore, sans relâche, de sorte que les forces du parti soient pures, que nos forces dirigeantes à tous les niveaux et dans toutes les sphères soient toujours propres. Vous dites encore, en ce qui concerne les ennemis, au paragraphe 25 de votre rapport, la politique du parti exigeait que les membres du comité central se familiarisent avec la réalité de la situation au niveau du district et veillent, entre autres choses, à ce que les cadres locaux procèdent scrupuleusement à l'élimination des contre-révolutionnaires. Et vous ajoutez encore, vers la fin de 1977, le parti a demandé un examen de la façon dont les secrétaires de district s'acquittaient de leurs tâches et l'élimination de ceux qui ne donnaient pas satisfaction. Ne donnaient pas satisfaction, notamment ceux qui manquaient de vigilance vis-à-vis des mauvais éléments et des ennemis cachés dans la population. Et si j'ai bonne mémoire, ce matin, vous nous avez expliqué que selon vos recherches, les membres du comité central allaient eux-mêmes dans les districts pour vérifier la mise en œuvre de ce que vous appelez la politique du parti. Même question que tout à l'heure. Est-ce que pour toute cette politique à la base, telle que vous la décrivez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que tout cela échappe à la compétence de Duyck? I do not agree, Council. Monsieur Krigetchison, je ne suis pas d'accord, maître. Some time ago now, I'm afraid. I don't remember which day precisely. Je ne me rappelle plus de quel jour il s'agit, mais when I was being examined by Judge Cartwright, lorsque j'ai répondu aux questions de la juge Cartwright, celle-ci m'a demandé si higher than usual number of arrests of district level cadres. And in response to her question, I discussed in particular the purges of the Northwest zone and the East zone, ainsi que les purges de la zone est, when a very large number
of district level cadres très important found themselves cadre au niveau du district se sont retrouvés à S21. I believe the process of those purges et je pense que le processus de ces purges is directly connected est directement to what I am discussing in the paragraph à mon propos to which you refer. Dans le paragraphe auquel vous faites référence. Ne vous inquiétez pas, nous allons aborder cette question. Mais il me semblait que quand vous partiez au paragraphe 25 et que vous parliez des ennemis cachés dans la population, vous ne parliez pas des purges à partir du centre, mais j'enregistre votre réponse. Et dans le même sens, au paragraphe 79, vous rappelez, ce doit être le milieu de paragraphe, le centre du parti encourageait le processus incessant de recherche et d'élimination des ennemis suspectés à tous les niveaux de l'organisation. Et vous citez, examiner dès lors les coopératives et les districts, il faut prêter attention à l'examen de ces deux niveaux parce qu'ils sont côte à côte avec le peuple. Les autres niveaux doivent également être examinés. Ce sont des vers dans notre chair qu'il faut déloger. Alors, il me semble que tout ça est extérieur à Duke, mais si vous n'êtes pas d'accord, merci de me le dire, et je passe tout de suite à la question suivante, parce que nous devrons aborder cette question de front. Yes, indeed. Monsieur Chesson, oui, effectivement. I believe that the constant je exhortations que l'exhortation constante par le centre du parti à purifier the party organization l'organisation through du parti the purge of various par forms les, of des purges traitors de différentes characterized sortes, in this quote de traîtres qualifiées dans cette situation, par, dans cette I situation par le terme « vers dans notre chair » was a central citation, axis bien, je pense que S21 jouait un rôle central en tant qu'axe de cet effort, à savoir de déloger les vers. Alors, on arrive à la question, aux questions que vous avez très bien exprimées hier, et comme je le disais, on va les prendre de front, puisqu'elles méritent quelques explications. Avant ça, j'ai quand même encore besoin de vous poser deux, trois questions. Tout à l'heure, Maître Karsavout vous a demandé des précisions sur le nombre de centres de sécurité, sur les autres centres de sécurité, pardon, du Kampuchea démocratique. Alors, est-ce que vous pourriez donner à la Chambre une idée du nombre de ces centres de sécurité sous le régime du Kampuchea démocratique? Monsieur Etchison. Certainly. Certainement. Council. Although
unless there was a difficulty with the translation. Sauf, I do not believe your co-counsel ever asked me about the number of security offices. Jamais posé la question relative au nombre du centre de sécurité. On the case file at ERN au dossier, sous la 00 19 4 8 2 1 2 1 through 00 00 19 4 8 4 8 2 9 2 9 with the case file document number D92 au numéro stroke D92/1, and this is the English version. I'm sorry, I don't have anglaise. The ERNs for the French or Khmer versions ERN, ERN pour, at the tip of my tongue. Is a document française. Dated 23 August 2006. En date du 23 août 2006, DK intitulé Prisons. Prison. It's produced by the Documentation Center of Cambodia. Le Cambodge démocratique, c'est un document produit par DCCAM. Il s'agit d'une Democratic Cambodia security offices, centre de sécurité that they have identified in their research, qui ont été identifiés dans le cadre des recherches de DCCAM. 195 DK security offices in various places around the country. I am aware that since then, the Documentation Center has identified some number of additional security offices that are not included in this list. Qui ne figurent pas dans cette liste. In addition to that document, en plus de ce document, also on the case file, également, il s'agit d'une pièce versée au dossier, ERN, sous la cote 00 00 08 08 73 73 03 0 through 3 0 0 0 0 0 8 0 8 7 3 7 3 3 2 3 2 is a larger English language report, which is excerpted on the case file, one case file qui est extrait at in the English language version dont l'extrait au dossier 0 0 en anglaise. 2 1 0 0 2 1 7 5 7 5 7 6 7 6 through 0 0 0 0 2 1 2 1 7 5 7 5 7 8 7 8. In the French version, la version française, it is at 00 on trouve sur la cote 00 29 27 27 76 76 through 00 00 29 28 28 02 02. And in the Khmer version, et dans sa version en langue ERN 00 la cote ERN est la suivante 00 23 23 33 33 82 82 through 00 à 00 23 23 34 34 28 28. I'm sorry, but I don't have a case file document number. Document de pièce nonetheless, au dossier. Cependant, this item cette pièce is a report
on security offices un rapport in Sisopan portant sur les centres de sécurité à Sisopan et that was prepared by a French scholar préparé named Henri Locard at the request of the office of the co-prosecutors. Français qui, à la this excerpt du bureau des is part of a much larger report, rapport, most of which complet, is not on case file one, n'a pas été versé au dossier and numéro it describes a number of security offices that are not included in the list published by the Documentation Center. Non publié par le centre de documentation finally, de CECAM, in the course décrit dans ce of the preliminary investigations par ailleurs, dans by the Office of the Co-Prosecutors cadre de and the judicial investigations et by the Office of Co-Investigating Judges, l'enquête I believe par ce bureau that we have discovered a number of security offices that were not identified either in the research by the Documentation Center of Cambodia dans le cadre des recherches du Centre de documentation du Cambodge, in the research by Henri Locard. Dans les travaux de recherche de Henri Locard. I have not had time, je n'ai pas unfortunately, eu le temps, malheureusement, in the last couple of years au cours de to ces deux take dernières all années, of this material and compile it together de compiler l'ensemble de to ces make documents a new list afin in order to identify exactly how many security offices de manière à savoir exactement combien de centres de sécurité substantially more nous connaissons than the 200 or so identified by the Documentation Center of Cambodia supérieur et de loin aux quelques 200 centres de sécurité identifiés par DCCAM. Puisque vous parlez du rapport de DCCAM, j'imagine que vous avez connaissance de la classification, malheureusement bien morbide, établie par DCCAM selon le nombre de victimes. Monsieur Craig Edgerton, je connais cette classification, maître. Oui. Pouvez-vous dire à la Chambre Mr. Roux, could you tell the chamber combien de morts sont many envisagées, on va dire, par DCCAM pour DCCAM celui qui est en, le centre de sécurité qui est en tête de liste computed, et pouvez-vous dire à la Chambre, dans cette comptabilité macabre, à quelle position DCCAM a cru que se trouvait S21 ? Counsel. Monsieur Chesson, maître. I would have to preface any such discussion by noting that when the Documentation Center of Cambodia began this work, it had no experience and was unable to find et n'était pas en mesure de trouver from other countries un cas précédent for such a task pour permettre de réaliser attempting une telle tâche, à savoir survey tenter what turned out to be tens of thousands ce qui of mass graves. Des dizaines de milliers so de charniers. There was a steep learning curve in the early years of what turned out to be a more than decade-long project. As a result, un projet qui s'est étendu sur plus d'une décennie. I consider
that some of the data je considère regarding numbers of victims données, in the first years of this research project du nombre de victimes has to be considered unreliable de recherche and indeed to answer your question if I can find the specific instance si je peux je vais trouver yes. un exemple en l'espèce le cas l'espèce pour l'interprète it's a site il s'agit ici in Kampong Cham province situé dans la province de Kampong Cham in Krochema district dans le district de Krochema a place called il s'agit d'un lieu Kopal connu sous le nom de Kopal where it is suggested in the documentation center data dans les données du DCCAM that there were 510,000 victimes frankly I do not consider this data je ne reliable pense que ces and if données I was reworking the data fiable, et si je I would change that to unknown une, si je devais effectuer cette tâche de comptabilisation je mettrais dans la case correspondant aux chiffres je mettrais la mention inconnue concerns Phnom Penh par ailleurs And s'agissant de Phnom Penh. The Documentation Center of Cambodia data for Tuol Sleng suggests 15,000 victims. Un chiffre de 15 000 victimes. Could we have the ERN number and case file number of the document to which the witness has referred? De la code ERN et de la référence, la pièce versée au dossier évoquée. I regret to inform the co-prosecutor that I neglected to Je crains, Monsieur le co-procureur, obtain a ERN number for this document. But I can provide that to the chamber at the earliest opportunity. The document in question is called Documentation Center of Cambodia. Documentation Center Burial. Of Cambodia. Burial. And it appears to be undated. Et il semble que ce document ne porte pas de date. Monsieur l'expert, je vous remercie des réserves que vous exprimez sur les travaux de DCCAM. Je suis sûr qu'elles iront droit au cœur de Monsieur Yang-Shuk. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question était précise. Avez-vous connaissance du tableau établi par DCCAM? Et si oui, pouvez-vous nous dire quelle est la prison marquée en numéro 1 et le nombre de victimes? Et à quel numéro dans cette comptabilité macabre DCCAM a-t-elle placé S21? C'est une question simple. C'était ma question. Counsel, est-ce que vous pourriez nous donner, puisque vous faites référence à un document, est-ce que vous avez les références? Could you please give us the references, the reference number? Non, c'est une information qui a circulé comme beaucoup d'autres venant de DCCAM. Si l'expert connaît, il connaît. S'il ne connaît pas, il me dit je ne connais pas. If the expert knows of it, he says so. Otherwise, he could just say that he doesn't. Mais je crois qu'il y a des éléments. But I believe that there are certain elements. Monsieur le Président, I don't know whether the defense are attempting to introduce je ne sais pas si la défense est en train d'essayer de présenter ici de nouveaux éléments de preuve par la voie de derrière. So, et si c'est ce que la défense essaie de faire,
If this document is to be considered, il faut que cela se fasse de manière adéquate. Et si on veut produire ce document, il faut présenter une requête en ce sens. Il semble au coprocureur qu'il y a la tentative de verser au dossier un élément qui ne s'y trouvait pas et auquel il n'a pas été fait référence jusqu'à présent. Absolument pas. Monsieur, absolutely j'interroge not. L'expert sur ses connaissances. Just questioning the expert il a connaissance, on his knowledge. Oui, does il le dit. Know of it il n'a pas not. Connaissance, that's all. Non, il le If dit. If he doesn't know, he says so. If he knows, c'est he pas compliqué. Says so. It's not that difficult. Je ne cherche pas à introduire un document, I'm not trying j'interroge to introduce un expert a document. I'm just questioning sous serment. An expert who has a-t-il taken connaissance an oath? De la is he aware, or does comptabilité he know établie par DCCAM, oui ou non this, ranking that DCCAM has established, yes or no? Counsel, that would be no. L'expert, non, maître. C'est tout simple. Well, it's very simple then, says Mr. Roux. Alors, then, pour pouvoir venir à cette question de fond dont nous parlons, that we're dealing with here, je veux encore rappeler ce que vous like avez dit en audience what you said to us during, sur ce que vous avez appelé l'obéissance. Concerning what you call obedience. Vous avez and indiqué le PCK a établi l'obéissance, la discipline telle que définie par la ligne du parti. Les cadres faisaient de leur mieux pour mettre en œuvre la ligne politique. C'est bien ce que vous avez dit, expert. Is this what you said, Dr. Etchison? I believe I did say something to that effect. Oui, j'ai dit quelque yes. chose en ce sens, effectivement. Est-ce que, Mr. Roux, selon votre avis, Duke faisait partie des cadres qui faisaient de leur mieux pour mettre en œuvre la ligne politique? To implement the political line of the party? Yes. Oui. Vous avez Mr. dit ce matin que Duke avait accès à des dirigeants importants du PCK. Pourriez-vous préciser? Could you please be more specific about this? Yes, counsel. Oui. Duke had access. Duke avait accès at various times. À différents moments à Son Sen and Nguyen Chea, et Nguyen Chea, both members tous les deux membres du comité permanent, several other members of the standing committee, plusieurs autres membres du comité permanent, unknown number et un nombre of inconnu members de membres of the central committee, du comité central, and a wide variety ainsi que toutes sortes and sector de leaders, dirigeants des zones et des secteurs ont été under the supervision interrogés sous la supervision of the accused person de l'accusé in the process of those interrogations, et au cours de ces interrogatoires I believe that the accused person je crois que l'accusé would have learned a very great deal a pu en apprendre beaucoup about the structure, sur la structure operations et le fonctionnement ainsi que les politiques of the CPK du PCK on a nationwide basis. Pour l'ensemble du territoire. D'accord. Donc la clarification, okay. Quand vous so dites qu'il avait accès à des dirigeants importants, leaders, vous parlez des deux personnes qui étaient ses supérieurs, d'abord Sun Sen, ensuite Nguyen Chea, c'est bien cela. Nguyen Chea. Is that so? Yes, and I was also oui, referring et je faisais aussi référence à d'autres dirigeants haut placés qu'il a interrogés longuement. D'accord, mais les dirigeants okay.
haut placé qu'il a interrogé, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au moment où il les interrogeait, il n'avait plus beaucoup de pouvoir sur la ligne politique du PCK. Cela. Au moment où il les interrogeait. Influence on the political line of the CPK while he was questioning them. Oh yes, there's no question. Oui, naturellement. They were nearing the end of their careers. Ils étaient tout près de la fin de leur carrière. Une autre précision. Vous avez dit ce matin, répondant à des questions de mon confrère Werner, que Duc avait participé à l'élaboration de listes de traîtres. Lists of traitors. Et sur une question, quand il vous a demandé un chiffre, je crois que c'est vous qui avez répondu plus de 1000. Je crois qu'il faudrait être plus précis. De quoi parlons-nous exactement? Est-ce que c'est plus de 1000 confessions qui contiennent des listes de traîtres? Ou bien voulez-vous dire que Duke lui-même aurait établi de sa propre main 1000 listes de traîtres? If I recall correctly, counsel, pourtant je me souvienne, my conversation with counsel for the civil parties this morning on that subject, ce que j'ai dit à l'avocat des partis civils ce matin sur ce sujet. I described two different kinds of lists deux of sortes traitors. De listes de traîtres différentes. One type of list une catégorie de liste which was written down sont les listes by qui victims étaient in the process établies par les victimes preparing their confessions. En train de rédiger leurs aveux. Another type of list un autre type de liste was more of an analytical product c'était created un by produit the accused analytique, person, si vous voulez, produit par l'accusé or his interrogators, ou ses interrogateurs or other staffers, ou d'autres membres under the du personnel of the accused sous person. Le contrôle de l'accusé. And what I meant to convey et ce que je voulais dire is that in total, c'est qu'au total, there were a very large number of il y a such eu lists, un très grand nombre de ces listes, a thousand or more. Un millier ou plus. Vous souvenez-vous combien de listes établies de la main de l'accusé vous auriez vu? How many lists that the accused had established himself? How many lists have you seen that had been established by the accused himself? No, counsel. I have never attempted to tally up a specific number. Et je n'ai jamais essayé de déterminer ce nombre. Alors, monsieur l'expert, vous avez effectivement dit hier, à la fin de votre audition, répondant à la question d'une des parties civiles sur le pouvoir concerning de décision the de l'accusé, decision-making power of the accused, vous êtes allé beaucoup plus loin in fact, que ce que vous avez écrit dans votre rapport. You wrote in your report. Et c'était, nous l'avons and tous compris, it was, we all understood, l'objet des questions the object que vous a posées of the questions brillamment that, Maître Werner ce matin. My colleague, Maître vous Werner avez dit ceci. Put to you this morning. And you said c'est the following. Le cœur this is the de la question, of the question qu'aura à trancher cette chambre. That this chamber will have to settle on. D'une part, on the one hand, les purges ont the été le résultat were the result de la paranoïa of du Parti communiste du Kampuchea. CPK's paranoia. D'autre part, and on the other hand, on pourrait dire qu'elles ont été le résultat de la méthodologie utilisée par l'accusé pour chasser les ennemis, je ne sais pas si c'est le mot propre
chase, we could mais say, bien the l'idée. Enemies. I don't know if that's the proper term, but that was the idea et in any ce matin, case. And this morning, pour répondre à une question de while mon confrère, Maître Werner, a question from Mr. Werner, vous avez encore rajouté cette précision disant que c'était en ce qui concerne la paranoïa, paranoia, que c'était un phénomène bien connu well des analystes from analysts, de systèmes en boucle. Of loop le système s'alimente lui-même. Feeds itself, that's nous what disons you said, s'auto-alimente. Or self-feeds, we can say. Monsieur l'expert, vous avez évidemment conscience que vous portez là une appréciation extrêmement importante et parfaitement nouvelle par rapport au contenu de votre rapport. J'ai deux questions. D'après according vos recherches, to, on the basis of your research, quels sont what are les éléments the elements qui peuvent étayer cette deuxième affirmation this second statement, que vous avez pris quand même le soin that, de mettre au conditionnel, on pourrait dire form, we could say, que ces purges ont été le résultat de la méthodologie utilisée par l'accusé. Donc, quels sont les éléments précis qui étayeraient cette affirmation pour vous éclairer sur le sens de ma question, nous avons parlé de la politique du parti qui était, me semble-t-il, totalement indépendante de ce que pouvait faire Duke. Nous avons parlé de la terreur. Nous avons parlé de l'obéissance absolue. Alors, pour illustrer ma question, en quoi la méthode ou la méthodologie utilisée par Duke serait-elle différente de la ligne imposée par le PCK ? Et en quoi cette méthodologie relèverait-elle d'initiatives propres et personnelles? Thank you, counsel. Merci. A very interesting question. C'est une question très intéressante. Indeed. First of all, I think I would offer one brief amendment, perhaps a translation issue. Une petite rectification, peut-être nécessaire à cause de la traduction. From the translation of what you said, was that you asserted when I was discussing this issue, vous semblez dire que I had referred to questions, j'ai fait référence à des méthodes que l'accusé aurait utilisées. I believe, if I recall correctly, or, what si I actually said, je crois que ce que j'ai dit en fait, was methods c'est that des were devised qui ont and été enforced conçues by the accused et person. Mises en pratique par and l'accusé. This begins to get at your question, I think. Et je crois que c'est là déjà un début de réponse à votre question. My understanding, based on long study sur la base de recherches of democratic Kampuchea longues sur le Kampuchea démocratique de manière générale and the operations of et S21 sur le fonctionnement de S21 in particular, plus particulièrement, as well as what came before ainsi que S21 sur ce qui a précédé S21 in the evolution of the organization's dans l'évolution methods des méthodes of organisationnelles searching for pour enemies. La recherche my understanding des is ennemis, je crois comprendre that the accused person que l'accusé was very much an innovator, était a creator, a fait preuve de beaucoup a developer
créativité, d'innovation, et qu'il a institutionnalisé des méthodes qu'il a mises au point pour obtenir des aveux très circonstanciés qui ont été obtenus pendant des périodes très longues, de sorte que dans certains cas, the victim il semble is forced que to name la victime every person ait été contrainte he or she de nommer has toute ever met personne qu'elle ait can pu remember jamais that name. Connaître. And then those lists et are ces used listes to go out de noms ont ensuite and été utilisées pour new batches of traders arrêter de nouveaux réseaux de traîtres this same process is applied, auquel le même processus a ensuite été appliqué, exponential growth et il y a ainsi croissance exponentielle du nombre de personnes accusées de trahison et du nombre de personnes arrêtées victimes de purge. It is the zeal c'est en partie le zèle avec lequel l'accusé pursued this project a mis en œuvre ce projet that caused this methodology qui to result explique in such a large number of les victims. Résultats obtenus à la suite de ces méthodes et le grand nombre de victimes. I proposed in answer to that question c'est pourquoi pour répondre à votre question that on the one hand je dirais que the d'une policies part of the standing committee les politiques du bureau permanent certainly played a role très certainement in joué un rôle this tragedy, dans la mise en place de cette stratégie, mais qu'en même temps the creativity, la créativité, and zeal l'esprit d'invention et le zèle who were tasked with implementing those cadre policies qui a eu pour tâche de mettre en œuvre cette politique a aussi contribué de manière substantielle à l'ampleur du désastre. Avait-il Mr. Roux, le choix? Did they have the choice? As I suggested before, counsel, comme je l'ai dit déjà, one always has choices in life. On a toujours des choix possibles. Et vous êtes d'accord avec Mr. moi Roux, and you agree with me qu'aujourd'hui, il est toujours en vie? Today he is still alive. Yes, he is. Oui, il est en vie. Alors, Mr. President, I apologize Monsieur for interrupting. Excusez-moi, Monsieur le Président, si j'interromps Maître Roux. But I would not wish a mistaken impression to be left of the expert une fausse impression qui pourrait subsister à la suite it de la déposition du témoin expert. A number of questions il apparaît qu'un certain nombre de questions posées par la défense impliquent qu'il n'y aurait que deux choix devant un cadre du PCK, la mort ou le devoir. Et pour compléter le tableau, il faudrait peut-être demander à l'expert s'il a connaissance d'une troisième voie, namely, escape. À savoir la fuite. Monsieur le Président, l'heure n'est pas aux réquisitions. Monsieur le procureur fera son réquisitoire qu'on me laisse continuer à poser mes questions à l'expert. Je ne vois pas ce qui autorise le procureur à venir donner son opinion au milieu de l'interrogatoire de l'expert par la défense. Je voudrais poursuivre.
Mr. President, the defense counsel, you may continue with your question. Maître Roux, je vous en prie, poursuivez. Monsieur l'expert, vous avez parlé de pouvoir d'innovation de l'accusé. Ça sonne curieusement à mes oreilles dans l'organisation que vous avez minutieusement décrite du Kampuchea démocratique. Je n'ai pas eu l'impression que du haut jusqu'en bas de la chaîne, quelque cadre que ce soit pouvait se permettre des innovations sans qu'elles lui aient été très fortement demandées par sa hiérarchie. Alors, monsieur l'expert, ce sera ma dernière question. Dr. Etchison, je considère pour ma part que le meilleur terme applicable à S21, c'est de dire qu'il était sous tutelle absolue, pour vous reprendre vos propres termes, absolue, des supérieurs hiérarchiques. Et je vais vous demander de vous livrer en tant que chercheur indépendant à un tout petit exercice intellectuel. A little intellectual exercise. Vous aviez parlé au conditionnel. On pourrait dire que les purges ont été le résultat de la méthodologie conçue et mise en pratique par l'accusé pour chasser les ennemis. Je m'adresse aux chercheurs. Quels seraient les éléments de l'antithèse à partir de ce que vous connaissez du fonctionnement interne du Kampuchea démocratique? Quels sont les éléments qu'un chercheur indépendant mettrait en avant? An independent researcher would put forth, and you are an independent researcher, to say that on the contrary, qu'appliquer scrupuleusement, et je veux bien reprendre votre terme et avec zèle, la politique qui lui était demandée par ses supérieurs. Was asked of him by his superiors. Monsieur le chercheur, Mr. Dr. Etchison, please, all ears. I would refer back, Council, to my earlier discussion of a Khmer Rouge term of art que j'ai dit avant d'un terme known as independence, Khmer Rouge, mastery, qui était indépendance, souveraineté. This concept included the idea that cadre were supposed to be able to master whatever challenge they are given toute difficulté qui leur using creative and innovative means et en utilisant des moyens which are consistent qui soient with existing party lines avec la ligne du parti to attain et ce pour the desired obtenir policy ends. And perhaps I would le résultat also recherché. Amend the et verbal construction of my earlier statement from chose que j'ai dit précédemment. We could say j'ai dit on pourrait to dire, I would say. Je dirais maintenant, je dirais que. Vous me diriez qu'un chercheur Wu, ne doute pas. A researcher such as you does not have any doubts? Je croyais que I précisément les chercheurs researchers had doubts normally, question things. Oh, indeed. Certains. I always have doubts. Je doute toujours. Doubts about many things. Je doute de beaucoup de choses. And probing those doubts et is how we learn. Et c'est en explorant and ces by doutes probing qu'on such doubts,
C'est en explorant ces doutes que je suis parvenu à la conclusion que je vous propose aujourd'hui. Conclusion qui n'était pas dans votre rapport. Nous sommes d'accord. This is a conclusion that was not part of your report. We do agree on that, don't we? Yes. Anyone who has examined this report will quickly see that the overview of the hierarchy of Democratic Kampuchea paper does not focus centrally on the issue of S21. Ce document ne porte pas de façon centrale sur S21. Et donc les éléments qui ont fondé votre conclusion d'aujourd'hui proviennent de ce que vous avez appris depuis votre rapport et donc pendant la procédure d'instruction. Oh no, counsel. That's an invalid logical conclusion. Non, ça c'est une conclusion logique qui n'est pas valide. It's simply that S21 was not the topic of that report. N'était pas le sujet de mon rapport. Je veux bien entendre cette réponse. Avant que nous terminions, monsieur l'expert, je suppose que vous avez fait le petit schéma que je vous avais demandé. Est-ce que vous pourriez, en deux minutes, nous le présenter? Can you please present this to us? Si vous l'avez à l'écran. If you have it here, can you please post this on the screen? This little diagram we asked you to complete this afternoon. Your Honors, the court officer has made copies of this diagram, I believe. Il fait des photocopies, je crois, de cet organigramme. However, I would like to inform the court. J'aimerais toutefois informer la chambre. I am not an artist. Je ne suis pas nor am I a graphiste, trained draftsperson. Ni artiste. Further, the time available for this et task que je n'avais was peu de temps short. Pour faire cet exercice. So I apologize in advance if my drawing is aussi, a bit ugly. Mon dessin apparaît est un peu inélégant. Merci pour ce travail, monsieur l'expert. Wu, j'ai quand même une première réflexion qui ne vous étonnera sans doute pas. J'ai un peu de mal à comprendre, alors que hier, pendant les questions qui vous étaient posées, vous avez très clairement répondu que hiérarchiquement, Duke était au-dessous des différentes divisions. Vous persistez dans votre schéma, à le mettre au-dessus, mais ça va naturellement avec les conclusions que vous venez de nous présenter, sur lesquelles vous me permettrez d'avoir quelques réserves quand je vois ce schéma. Je vous remercie, monsieur l'expert. Mr. President, court officer, can you protect the chat on the screen? Je vais inviter l'huissier à bien vouloir faire basculer l'écran de manière in the English language. Cet organigramme à l'écran en langue anglaise par le biais du rétroprojecteur. Dr. Greg Etchison. Monsieur Greg Etchison. In order to respond de manière to the questions of the counsel for the defense. À la question du conseil de la défense. Nous allons examiner cet organigramme.
The president, it cannot be seen on the screen. On ne peut pas arriver à tout voir à l'écran. Mr. President, yes, now it can be seen on oui, the screen. C'est le cas. Dr. Greg Edgerton, the floor Donc, is yours. Monsieur Greg Edgerton, je vais vous donner la parole. Allez-y. Thank you, Mr. President. Monsieur Hutchison, je vous remercie, Monsieur le Président. Before we broke for lunch, avant la pause, Counsel for the Defense asked déjeuner, me le Conseil to de la combine Défense m'a demandé de two charts combiner deux organigrammes that, in my view, qui, do not moi, combine very elegantly ne se combinent pas de, manière la plus, or de la manière la plus élégante particularly informative ou ne fournissent de résultats what you are viewing on the screen plus intéressant que ça. Est-ce que is the result of that request eh bien, c'est le résultat from Counsel de for the cette Defense. Demande du Conseil de la Défense. This diagram Ce consists diagramme of the chart of the government est composé de l'organigramme which we have du gouvernement previously discussed que in nous these avons hearings. Abordé précédemment dans le cadre de ces audiences with added information avec des informations supplémentaires on organizations that were subordinate s'agissant to the general staff, d'organisations qui étaient subordonnées à l'état-major, including nine military divisions, 9 divisions militaires, 3 independent 3 regiments, régiments indépendants, and 2 offices et 2 bureaux of the general staff de l'état-major. This was what I understood to be the request of Counsel for the Defense. Je pense que c'est le résultat de ce que j'ai compris comme étant la demande du Conseil de la Défense. Voilà, Monsieur le Président. Your Honor. Effectivement, la Défense avait demandé à ce que ce tableau soit complété. Merci à Monsieur l'expert de s'être soumis à ce petit travail. Mais c'est vrai que la Défense avait à l'esprit vos déclarations, Monsieur l'expert, hier, je crois, indiquant que quelqu'un vous a posé la question et vous avez répondu que oui, toutes ces personnes qu'on voit dans le dernier cadre en bas, le secrétaire de division, et notamment Monsieur Soumet, étaient des supérieurs hiérarchiques à Douk. Or là, je les vois en bas du tableau, ça me gêne. De la même manière, c'est vrai que j'aurais aimé voir apparaître ce qui est au paragraphe 109 de votre rapport, l'état-major de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. On apprend quand même beaucoup de choses dans votre graphique de l'état-major de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. On voit Son Sen président, Siet Chef vice-président, exécuté en 77, Tamok chef, Chan Kachre Chakre vice-chef, et puis il y a un certain nombre de membres de l'état-major de l'armée révolutionnaire du Kampuchea. J'aurais aimé les voir là. Chay Krumhor, exécuté en 78, Soumet, toujours vivant, So Sarun, exécuté en 98, Mesmut, toujours vivant, Katren, toujours vivant, Sun Ti, toujours vivant. Ça, c'est au paragraphe 109 de votre rapport. Alors, je ne comprends pas. Vous venez de répondre à ma question en disant que votre rapport, au moment où vous l'avez fait, était un rapport général
qui ne portait pas spécifiquement sur S21. Or, dans un des tableaux, vous mettez S21 à une place qui n'est pas la sienne et vous omettez dans ce tableau un certain nombre de personnes qu'on aurait aimé y retrouver à leur juste place. It would have been appropriate to see precisely in such a diagram and to see them in the right position, in the position that was theirs in the overall chart. J'ai oublié de vous dire une chose. Je n'aime pas et je n'ai jamais aimé les boucs émissaires. Mr. President, that is that last remark, not the last one, the penultimate one, by Mr. Roux. Cette dernière remarque, ce n'est pas la seule. Was that a question to the expert? Because if it was, it should be allowed, a response should be permitted. If it wasn't, it was a comment. De l'expert devrait être autorisé. I would invite the president to allow the expert to reply to that. J'inviterai l'expert à répondre à cette question. Et vous-même, vous avez posé une question tout à l'heure à l'expert dans votre intervention, mon collègue. Vous avez affirmé qu'il y avait une troisième voie, ça vous regarde. Alors de la même manière, ça me regarde de dire que je n'aime pas qu'on prenne quelqu'un pour un bouc émissaire. I don't wish this to turn into a game of ping-pong, but I was inviting the president je veux pas entrer dans une partie de ping-pong ici. Ask a question of the expert witness for his expert opinion. On the methods that were available de manière à pouvoir recueillir son opinion en sa qualité d'expert vis-à-vis and I invite the witness du thème des cadres to be asked au sein du PCKG. If it is troubling to the defense, that si question. Cela pose if not, un problème I invite à la défense, the president je ne sais pas, to allow the witness que la défense puisse autoriser to respond to what appeared to the co-prosecutors à répondre à ce qui semble to be a lengthy observation in the form of an implied question. Comme étant une forme d'affirmation déguisée sous la forme d'une question. Mr. President. Le président. Now the question is. La question. In order to grant the request by the Defense Council regarding the drawing of this chart. À la requête du Conseil de la Défense. And also. In relation to this chart, can you confirm your question relating to this chart? Est-ce que vous pouvez confirmer which was drawn by the expert? You make your question clearly and precisely. Question, la question, and la if you do not have a question, questions, or if you have a question, au témoin doit être clair. You have to make si it clear so that the chamber can poser, understand. Bien, vous devez préciser la chose pour que l'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit, s'il s'agit d'une question ou d'un commentaire, et de manière à ce que nous permettre de tenir le, également aux fins des notes d'audience que nous devons mettre en place et tenir ultérieurement. Mr. President, Council François Roux, do you have any further questions to be put to the expert in relation to the chart that you earlier requested this expert to make? De votre demande précédente if you de have, l'expert. You now put si the question. Cas, vous pouvez if you don't, maintenant poser votre can question. Please si say n'est so, pas le cas, à ce moment-là, so that the chamber de manière à ce que la can manage this proceeding. Gérer au mieux le bon déroulement des débats. Non, merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie. Mr. President, judges of the bench. Do you have any Madame further et Messieurs les juges, avez-vous d'autres questions à poser à cet expert? À l'expert ici présent, reprend l'interprète. Mr. President. Le Président.
Now, if there is no further questions, si the trial for this afternoon is adjourned. Nous allons mettre un terme à l'audience de cet après-midi. The chamber would like to la chambre thank you, Dr. Greg Edison, greatly for spending your valuable time in doing in providing your testimony for these number of days with patience and appreciation. And the nous chamber reconnaissant declare the adjournment of the proceedings. Nous allons suspendre the chamber l'audience. Will resume. Les audiences reprendront on the 8th le 8 of June, juin, which is Monday à savoir of 2009. Lundi. We also would like to remind the parties nous aimerions également rappeler aux parties we will question the accused on both facts. Questionneront l'accusé that is the implementation of the CPK policy sur la mise which were requested de la by the parties but due to demandé, the facts that we have to listen to the testimonies of the true experts and another experts, facts that is the armed conflict we haven't yet asked the accused on that fact de conflit armé, nous security pas officers le loisir de poser toutes les questions back que to the detention facility and bring him back je on the set date. Les gardes responsables de la sécurité de l'accusé à l'emmener au centre de détention.